La personne de ton cœur s'est libérée. Ça, c'est lui ou elle, bien entendu. Et ça, c'est la libération, reprise de liberté. Allez, on y va ensemble. Il t'a à l'œil. Il t'a à l'œil. On voit que cette personne te guette, en tout cas, elle a un œil sur toi, même si toi, tu ne le vois pas. Elle va vers un véritable épanouissement, quelque chose qui lui plaît, en fait. On sent que sa reprise de liberté est quelque chose qui l'attendait de pied ferme. Il s'est séparé de la tierce. Pour moi, il s'est séparé de quelque chose qui le maintenait, qui l'empêchait d'avancer. On voit qu'il y a une vraie envie, clairement, d'avancer. Un véritable épanouissement, mais en fait, il t'a à l'œil. C'est un peu comme si, voilà, tu m'as laissé, on s'est laissé, maintenant, sache que je t'ai à l'œil et, Tintin, on va découvrir la suite. Eh bien, il va te faire, ok, promesse d'engagement. En fait, il est en train, en coulisses, il est en train de mettre les petits plats dans les grands. On sent que ça y est, il se met enfin. Waouh, ça y est, il se met enfin en place. Mais alléluia, en fait. Alléluia. Retrouve d'équilibre. Bon, il ne sait pas trop comment tu vas réagir face à ça. On voit qu'il y a ton cœur à toi qui est partagé entre un jour ça va pas. Un jour il manque, un jour j'ai envie de l'oublier. On sent que toi, tu es vraiment partagé entre deux. Tu es encore en train de digérer cette séparation ou ce qui s'est passé par le passé. Mais en tout cas, lui, clairement, il récupère une harmonie. Il récupère de la force. Ouais, j'adore battre mes cartes comme ça. Je vais faire fort comme ça. On voit qu'il y a une envie de nouveau départ. Cette reprise de liberté, elle a été longue. Cette reprise de liberté, elle a été compliquée pour lui. Là, j'ai vraiment envie de te parler de lui. Ça a été quelque chose de d'intense à passer, à accepter, mais à clairement aussi dépasser. Il attendait ça. Il a tout espoir de te reconquérir. Il pense à toi. Il y a des pensées qui sont partagées avec toi. On sent qu'il y a, je sens beaucoup plus de légèreté. C'est beaucoup plus fluide. Ça, c'est un événement positif qui arrive. Alors, c'est annonciateur d'une grossesse, mais je vois pas forcément ça. C'est annonciateur de nouveaux projets. La cigogne était à l'origine l'oiseau qui venait déposer des bébés dans les familles. Ça, c'est une légende urbaine, ou une légende tout court. Et on voit que la personne de ton cœur, en tout cas celle-là, parce qu'elle ressort en jaune, donc c'est la personne que tu aimes. Ne me dis pas que c'est pas ça, parce que c'est ça. En tout cas, elle a des projets. Elle sait dans quelle direction elle veut aller. Ça y est, elle se positionne clairement. En tout cas, il est très aligné avec lui-même ou avec elle-même en fonction de ta situation, de ce que tu vis. Ne prends que ce qui te parle et ne prends pas ce que tu as envie d'écouter. Soyons bien clairs. Je t'aime infiniment, je t'aime pour l'éternité, je t'aime depuis toujours. Et on voit que c'est quelque chose qui prend énormément et de beaucoup plus de place avec lui, avec son cœur, avec son état général. On sent que c'est, ça y est, je sens que je suis enfin prêt. Il a récupéré sa liberté. Alors, il y a aussi le passage où il doit aussi se retrouver seul pour avancer pour lui, pour savoir ce qu'il veut. On est aussi dans cette étape-là. Donc, pour moi, on n'est pas forcément sur quelque chose qui arrive demain, soyons clairs. Mais en tout cas, il est en pleine libération. Et on voit que les petites choses sont en train de s'agrémenter les unes derrière les autres sur ce qu'il désire, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il pense et surtout sur ce qu'il ressent. On est sur quelque chose, au niveau du temps, c'est très malléable, donc ne prends ça qu'avec des pincettes, une semaine, 3 semaines, 1 mois. C'est vraiment en fonction aussi de ton parcours, de ton histoire, de ta relation et clairement de toi. Si tu t'es séparé hier, j'ai envie de te dire, c'est pas pour demain, d'accord? Il va y avoir une invitation qui va être faite. En fait, il va clairement te contacter, certainement pour t'exprimer aussi que
Ça y est, je deviens aussi une meilleure version de moi-même. Je me suis libérée de ce que j'avais besoin de me libérer. J'ai avancé dans mon parcours. Il a, en fait, pour moi, cette période de silence, cette distance, lui a permis, en fait, de se reconstruire, de se nourrir comme il le méritait, de s'apporter ce qu'il désirait. Et il n'est pas venu vers toi tant qu'il était dans le besoin de quelque chose. Donc, ça m'indique que clairement, toi aussi, tu as suffisamment et clairement bien travaillé pour qu'il puisse se mettre aussi en action. Ben, je trouve ça incroyable quand même. Cadeau à l'envers, proposition, cadeau, déclaration. Ben, on est clairement sur, je vais t'inviter, on va essayer de se voir, prendre un verre, discuter sur quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être exprimer ce qu'on a traversé tous les deux, exprimer ce qu'on a pas compris de l'un et de l'autre, de notre situation, des blocages qu'on avait à cette époque-là, de nos peurs aussi, clairement, parce qu'on est aussi poursuivi par nos peurs. Et suite à ça, il va y avoir, alors peut-être une toute petite déclaration, la déclaration de te dire qu'il s'est libéré, que ça y est maintenant, il est seul dans sa vie, que, alors, entre guillemets, que c'est un cœur à prendre et que il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, à part nous, bien évidemment. Il était une personne qui n'était pas avec toi et on voit qu'il ressort très rapidement au début de ton jeu avec la chemise jaune en étant je suis totalement à toi. Mais en fait, il l'a toujours su qu'il était totalement sous ton emprise. On est sur une emprise positive. L'amour qui rayonne dans tout son être était pour toi. Ça l'a perturbé, ça l'a malmené, il a repoussé au plus profond, il a tenté de t'oublier, il a essayé d'avancer sans toi, clairement. Et on voit que malgré tout ça, malgré sa fuite, il a commencé à mettre en place des petites choses à son niveau, sa liberté, se défaire des personnes toxiques autour de lui, récupérer tout son état d'être en étant totalement aligné avec lui-même. Moi, je trouve que c'est plutôt très chouette. En tout cas, il s'est économisé pour pouvoir revenir beaucoup plus légèrement vers toi. Tu en feras ce que tu en voudras. Tu accepteras ou tu n'accepteras pas. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il reprend contact avec toi pour te dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a osé passer. Et pouvoir aussi certainement mettre à plat tout ce que vous avez subi l'un par rapport à l'autre pendant toute cette phase de séparation, de distance et de silence.